toujours de toi, Saint-Esprit. Choisi, du peuple élu que le Seigneur a invité ce soir pour que avec le Saint-Esprit tu décharges ton cœur. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce. Au cours de ce séminaire de 4 jours dont le thème général est avec le Saint-Esprit décharge ton cœur. Et ce premier jour, le sous-thème, c'est « Quand la souffrance devient joie, du désespoir à l'espoir, paix et joie. » Nous avons tellement de choses. Et nous avons la joie, la grâce d'accueillir notre père Jean Messenger, directeur de l'Institut de l'IDCJ, qui nous vient de loin, du château Angré, paix et joie. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie. Cette persévérance-là a aussi la capacité de faire naître dans la vie de cette personne-là une fidélité éprouvée. La fidélité à quoi? La fidélité à Dieu, la fidélité à son engagement chrétien, la fidélité à la suite du Christ. Et cette fidélité éprouvée fait naître l'espérance. Nous pouvons nous asseoir. L'espérance, vertu cardinale. L'espérance. Mais on ne peut pas imaginer une personne qui a la grâce de l'espérance, qui vit dans l'espérance, qui ne vit pas dans la joie. Lorsqu'on espère, on vit dans la joie spirituelle, on vit dans la paix. Donc, ce que Saint Paul dit ici, il est en train de dire que de la souffrance, on arrive dans la joie. Il est en train de dire que la souffrance peut devenir source de joie. La souffrance peut devenir source de joie. Parce que la souffrance vécue dans la foi, vécue en Christ, fait naître, fait grandir en nous la persévérance, la fidélité et l'espérance. Voilà les fruits spirituels qu'on peut recueillir à partir d'une expérience de souffrance. Quelque part, la souffrance est une terre fertile. Maintenant, tout en disant que la souffrance vécue dans la foi est une terre fertile, ne tombons pas dans la tentation de faire l'éloge de la souffrance. Non. La souffrance n'est pas une bonne chose. En elle-même, aucun être humain ne désire la souffrance. Jésus n'a pas cherché à souffrir. Donc, en elle-même, la souffrance est quelque chose que tout être humain cherche à éviter naturellement. La question, c'est est-ce que nous pouvons éviter la souffrance toute notre vie? Est-ce que vous pensez qu'on peut éviter la moindre souffrance pendant toute ton existence? Je ne pense pas. Je pense que de façon prophétique, si Jésus
a souffert, ça veut dire que dans notre trajectoire humaine, nous allons aussi souffrir. La souffrance, le degré de la souffrance dépendra. Mais on va souffrir. Il y aura des moments de tristesse. Il y aura peut-être des moments où on connaîtra l'échec. Il y aura peut-être des moments où on connaîtra peut-être la maladie. Il y aura peut-être des moments où nous allons perdre un être cher. Il y aura peut-être des moments où nous chercherons à obtenir quelque chose, mais cela nous échappe. Il y aura peut-être des moments où nous nous sentirons humiliés. Tout cela, ce sont des moments où nous ressentons de la souffrance dans notre chair. Il y aura des moments où nous chercherons à vaincre le péché dans notre vie, mais il ne nous laisse pas tranquille. La souffrance, d'une manière ou d'une autre, différemment, mais tous, nous finissons par en avoir l'expérience. Donc, nous ne voulons pas faire l'éloge de la souffrance, parce que c'est une mauvaise chose en soi-même. Elle est contre la vie. Mais d'autre part, nous reconnaissons humblement que c'est difficile de penser qu'on va vivre longtemps sans la moindre souffrance. C'est impossible. Donc la question qu'on nous demande de considérer ce soir, c'est puisque nous ne pouvons pas échapper tout le temps, toute notre vie à la souffrance, puisque la souffrance est une réalité dans notre vie, comment faire pour que chaque fois que la vie va nous inviter à affronter la souffrance, comment faire à ce que cette souffrance-là se transforme en source de bénédiction? Comment faire? D'abord, peut-être quelques explications. Lorsque nous disons qu'une souffrance peut devenir source de bénédiction ou encore source de joie, la souffrance, qui généralement est associée avec le désespoir, comment elle peut devenir un lieu où jaillit l'espérance, où jaillit l'espérance qui naît de la foi en la résurrection. Vous voyez, l'expérience de la souffrance peut devenir le lieu où on arrive à mieux connaître Dieu. Au cœur de la souffrance, parfois, c'est là qu'on découvre le vrai visage de Dieu. Voilà comment la souffrance peut devenir joie ou source de joie. Disons, c'est pas la souffrance en elle-même qui devient joie, c'est Dieu qui utilise le prétexte de la souffrance pour nous faire vivre une expérience spirituelle. C'est pas la souffrance en elle-même qui devient joie, c'est Dieu qui transforme cette souffrance
en quelque chose de bienfaisant. Prenez l'expérience de Job. Job qui a tout perdu. Job qui maudissait le jour de sa naissance. Job qui maudissait sa vie. Job qui voulait que Dieu le prenne. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Job, à la fin du livre, Job avoue avoir compris le mystère de Dieu. C'est au cœur de sa souffrance que Job est arrivé progressivement à découvrir le mystère de Dieu. Les disciples, après la mort de leur maître Jésus-Christ, étaient dans la souffrance, dans la peur, dans l'angoisse, étaient dans le désespoir. Mais c'est au cœur de cette souffrance que Jésus, le ressuscité, leur révèle sa gloire. Donc, au cœur de n'importe quelle souffrance, Dieu peut nous faire découvrir son vrai visage. On peut faire une expérience spirituelle bouleversante, radicale, à partir d'un lieu de souffrance. La souffrance peut aussi devenir un lieu de croissance et de maturation. D'ailleurs, ça on le connaît très bien dans les traditions africaines où les initiations en Afrique, ce sont des lieux où on éprouve les gens. On éprouve. Parce que en Afrique, on sait que la souffrance, les épreuves font grandir, font mûrir. Dieu en est capable. Au cœur de la souffrance, Dieu peut nous faire grandir. Regardez l'enfant prodigue. Un enfant qui demande à son papa, donne-moi ma part d'héritage. Il prend la part d'héritage. Il s'en va dans un pays lointain, gaspiller cet argent. Ensuite, la souffrance s'abat sur lui. Il n'a plus rien à manger. Il a commencé même à envier la nourriture qu'on donnait aux pauvres. Au cœur de sa souffrance, il a fait une expérience fondamentale. Il a découvert que ce n'est pas bon d'être loin de son papa. Parce qu'auprès de mon père, je ne manquerai pas de quoi manger. Conversion. Il revient vers son père. Et quand il est revenu vers son père, plus jamais il a quitté son père. Parce qu'il a compris. Mais ce qu'il a compris, il l'a compris quand il était dans la souffrance. La souffrance peut être un lieu où Dieu nous fait grandir spirituellement, humainement. Ainsi, la souffrance peut être un lieu de réveil spirituel. La souffrance peut être un lieu de développement spirituel, pas seulement personnel. Au cœur de la souffrance, notre vie peut radicalement changer par la grâce de Dieu. La souffrance en elle-même n'est pas une bonne chose. Mais lorsqu'elle est vécue dans la foi, Dieu la transforme en source de bénédiction. Lorsqu'elle est vécue dans la foi. Mais la souffrance n'est pas automatiquement transformée en source de joie. La souffrance ne débouche pas automatiquement sur l'espérance.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Nous devons faire quelque chose pour nous disposer, pour permettre à ce que la souffrance ou de la souffrance découle la joie, de l'espérance, du désespoir découle l'espérance. Maintenant, que faire? Que faire pour que le moment de souffrance pour nous se transforme en moment de bénédiction? Que faire pour que là où nous ressentons le désespoir, la joie et l'espérance surgissent? Premièrement, il faut vivre les moments difficiles dans la foi. Il faut vivre les moments difficiles dans la foi. Quand ça ne va pas, vis ces moments dans la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vis les moments difficiles comme une participation à la passion du Christ. Le Christ a souffert. Lorsque la vie t'impose la souffrance, embrasse-la comme participation à la passion du Christ qui a souffert pour nous. Mais si tu embrasses la souffrance, lorsqu'elle s'impose à toi, comme participation à la croix, à la passion du Christ, tu n'es plus seul. La souffrance que tu embrasses dans ce sens-là, maintenant a un sens. Elle a un sens parce que tu la vis comme participation à la passion, à la croix du Christ. Mais la passion et la croix du Christ ont abouti à la résurrection. Et donc du coup, cette souffrance-là que nous embrassons comme participation à la croix du Christ débouche sur la vie. Si je suis malade, je n'ai pas de moyens pour me soigner, je vis cette souffrance-là en union avec le Christ qui a souffert, comme ma part. De sa souffrance doit jaillir le salut du monde. Et du coup, ma souffrance a un sens. Si je souffre parce que je n'arrive pas à avoir, à obtenir un emploi décent, parce qu'il y a quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour m'épanouir dans ce monde, pour réussir dans ce monde, je vis cela comme participation, comme ma part de souffrance en union avec le Christ qui a souffert. Cela donne sens. Donc, à Colossiens 1, verset 24, il est dit: je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, à Saint-Paul, et ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps. Vous voyez, ce qui manque aux détresses du Christ, c'est-à-dire, il dit, les détresses que je ressens, la souffrance que j'endure, je vis ça comme ce qui a manqué à ce que le Christ a souffert. Pour dire, c'est ma contribution. Mais à cause de ce, parce que je vis cela comme participation à la passion du Christ, alors je trouve de la joie.
Ça, c'est de la joie spirituelle. Ce n'est pas de la joie au niveau de la chair. C'est de la joie spirituelle. Ça veut dire que je peux souffrir dans ma chair, mais spirituellement, je peux ressentir de la joie parce que je vis ça comme participation à la joie de Christ. Une femme peut souffrir dans sa chair, peut souffrir du regard des autres, peut-être parce qu'elle demande la grâce de l'enfantement qui n'arrive pas, peut-être parce qu'elle demande la grâce du mariage qui n'arrive pas.